Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver au potager qui dit non. On va donc aujourd'hui se livrer à plusieurs activités. La plantation de pommes de terre, le semis de carottes, de radis et le semis de petits pois également. Alors, pour commencer, on va s'occuper des petits pois. Et donc on va ajouter quelques poquets autour des structures qu'on avait précédemment installées pour accueillir les premiers semis de petits pois sous les bouteilles d'eau. Ces premiers semis semblent enfin donner des signes de démarrage tout doucement. Et donc là, voilà, on installe de nouveaux poquets, une autre variété de petits pois. Et cette fois, nous allons les semer sans bouteille d'eau, hein, de manière à voir un peu si la bouteille est un réel avantage, présente une réelle plus-value ou pas par rapport au système précédemment retenu, quoi. Voilà. Les semis donc de carottes et de radis auront lieu sous ces voiles d'hivernage entre les rangs d'oignons et d'échalotes précédemment plantées, de manière à optimiser la place. Voilà, donc on a relevé le voile d'hivernage et on commence par nettoyer un petit peu les débris végétaux qu'on peut trouver en surface entre les buttes sur lesquelles nous avons planté les oignons et les échalotes. De manière à obtenir un lit de semences qui soit convenable et propre à accueillir donc les graines. Voilà, donc on réalise tout ça sous l'œil bienveillant de Lady Gaga, notre petite chienne. Voilà, donc ensuite c'est le temps du semis proprement dit. Donc je sème directement depuis le sachet de semences. Je n'utilise pas de semoir. Là encore, ça me vaudra peut-être eh bien des surprises, hein. Je m'attends à ce que ce semis soit finalement peut-être un peu trop dense. Bon, on verra bien. C'est là encore une première. On verra un peu ce que ça donne. Voilà, je viens donc recouvrir d'une très très légère couche de terre le semis que je viens de réaliser entre donc les rangs d'oignons et entre les rangs d'échalotes sur plusieurs de nos parcelles. Entre ces buttes, ce sera le semis de carottes et je prends donc soin de donner un petit coup de griffe préalablement de manière à ce que le sol soit tout à fait meuble et propre à accueillir donc ces semences de carottes. Là encore, je sème directement depuis le sachet, je n'emploie pas de semoir. Bon, j'essaie de respecter une densité, disons, qui me semble en tout cas appropriée. Je me suis fait à l'idée de toute façon de démarrer ces carottes plus tard. Je crois qu'on ne pourra pas y échapper. J'ai quand même un peu l'impression, surtout a posteriori, au moment où je monte ce film, eh bien qu'on a eu la main sans doute un peu lourde sur ces semis de carottes. Voilà, je compte donc sur les pluies prochaines, eh bien pour passer à travers ce voile d'hivernage. Je dirais tout doucement, et puis venir humidifier correctement ces semis, bien mettre les graines en contact avec le sol, et puis assurer la levée de ces graines. On aurait pu tout aussi bien arroser, ça aurait sans doute même été préférable pour les semis proprement dit. En revanche, j'essaie d'apporter le moins d'eau possible au niveau des oignons, ail et échalotes. Pour le moment, le sol est déjà bien humide. On va laisser faire la pluie et les éléments naturels. On va voir un peu comment ça se développe de cette manière-là. Alors, je vais donc dégager une demi-planche de culture du foin qui la recouvre. Nous avons donc 2 kilos de plants de Victoria à planter. Ensuite, je procède à un léger griffage du sol de manière à faciliter la plantation des tubercules, proprement dit. Alors, je commence par disposer l'ensemble des pommes de terre sur l'espace que je viens de dégager, de manière à pouvoir les planter ensuite, en respectant les espaces que j'ai souhaités. Bon, donc voilà, on est en route à planter ces pommes de terre. On commence à voir les germes
apparaître hein, assez clairement. Donc l'idée, c'est de les enterrer pas trop profondément non plus, mais suffisamment tout de même. Ces bulbes-là s'enterrent, je dirais, à peu près une fois et demie à deux fois leur diamètre. Voilà, ça peut être bien. Ah, en veillant, si possible, à laisser ce germe orienté vers le haut, bien entendu. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. On va procéder comme ça pour toute la parcelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense quand même que ces pommes de terre sont plantées un peu serrées les unes des autres. Bon, ça risque de faire un peu serré effectivement. On va tenter comme ça, on verra bien. Il nous en reste quelques-unes. On va les mettre ailleurs sur le potager, sur une autre planche. Hein, toujours dans l'idée de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et puis on viendra recouvrir ensuite de foin, mais très très peu, hein, juste de manière à ce que les verdures de ces pommes de terre puissent quand même passer, hein, de manière à ce que les plants puissent démarrer correctement. Et au besoin, on viendra ensuite en cours de culture réapprovisionner en foin. Hein, c'est un peu ça l'idée qu'on retient, et de cette manière, on n'aura pas à buter les pommes de terre. Ça semble avoir été testé et approuvé par des jardiniers bien plus confirmés que nous. Et donc voilà, c'est la méthode qu'on va retenir pour essayer d'obtenir quelques pommes de terre sur ces planches, quoi. Alors, je viens donc de rapporter du foin au-dessus de ces plants de pommes de terre qui viennent d'être plantés, une très très faible épaisseur par rapport à ce qu'on a mis par ailleurs sur les planches, de manière à ce que lorsque ces plants vont démarrer, eh bien les parties aériennes hein, de ces tubercules puissent quand même atteindre la lumière sans difficulté. Et on viendra réapprovisionner en foin à la demande, hein, de manière à ce que on n'ait pas non plus trop à désherber, si possible, entre ces rangs de pommes de terre, et puis qu'on continue toujours de la même manière à alimenter un peu notre sol par la décomposition de ce foin. Je pense qu'on a pas mal travaillé aujourd'hui sur le potager, les premiers véritables travaux, disons, de semis, plantations diverses, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça nous a permis aussi de maintenir la serre ouverte tout le temps où on était présent, avec ce système-là, hein, une petite pince tout simplement. Et là, on en a mis juste une, ça fait déjà une ouverture pas mal. Et puis, sur les prochaines fois, et puis notamment durant l'été, on ouvrira davantage et on ajoutera d'autres pinces. Voilà, ça nous permet à la demande de pouvoir encore une fois la fermer hermétiquement. Je crois qu'on va rester sur ce système une fois pour toutes, c'est ce qui nous rassure le plus. Hein. Donc pour résumer, eh bien, nous avons semé quelques petits pois sans les recouvrir de bouteilles d'eau. Cette fois, j'aimerais voir la différence avec et sans la bouteille. Et puis il s'agit d'une autre variété également, mais sur les mêmes supports qui ont accueilli les premiers petits pois la dernière fois. Hein. On a également essayé d'exploiter les rangs intermédiaires entre les oignons et entre les échalotes, et on y a semé donc deux variétés de radis et puis quelques carottes. Quelques carottes, en prenant soin de bien ameublir le sol. Mais enfin, de toute façon, c'est le sol est encore une fois remarquablement meuble. Hein, sous ce foin, et donc on n'a pas eu de gros travail à ce niveau-là, quoi. Donc on a recouvert ensuite de P17, enfin, puisque hop, on va la prendre. Voilà. Puisque les rangs d'échalotes et d'oignons étaient recouverts de P17, on a remis ce P17 en place, et je pense que ça aidera un petit peu à démarrer, eh bien, notamment les carottes, dont je crois savoir que c'est assez long. Bon, ça donnera peut-être un petit coup de pouce. Ce P17 tient très très bien avec les punaises, hein, contre toute attente. On avait un peu peur que ça résiste pas au vent, et finalement ce système semble tout à fait satisfaisant. Et pour terminer, on a également planté les pommes de terre, donc dont je pense que nous les avons plantées un peu trop serrées sans doute.
Bon, je suis encore un peu préoccupé par la gestion de l'espace dont on dispose, donc j'ai tendance peut-être à serrer un peu trop. On verra ce que ça donnera. On les a répartis sur deux planches très éloignées les unes des autres dans le potager, et de manière à limiter les risques, notamment phytosanitaires hein, en particulier, et de manière aussi à ce que ces pommes de terre cohabitent avec des plantes différentes hein, en fonction de la planche dans laquelle elles se trouvent. Et dans la deuxième planche, on les a serrées un peu moins quand même. Voilà. Bon, encore une fois, tout a valeur d'expérience hein, dans ce qu'on fait là, et bien ça permettra de tirer les conclusions qui s'imposent, quoi, tout simplement. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. La chienne s'impatiente là, il est l'heure de l'apéro là bientôt, donc elle le sent. D'ailleurs moi aussi. Ça commence à... On va y aller. Et puis on vous dit à très bientôt donc au potager qui dit non. Oui. Ciao, ciao. J'ai dit oui.